Alors là, ce matin, on a reçu un truc super bizarre. On a reçu une lettre qui dit « Cassez-vous » et 999 « Cherchez des indices ». Du coup, bah, on va partir direct. Ah, du coup, on est prêt à partir là. C'est parti. Bon, monsieur, que faites-vous là? Bon, du coup, on a reçu ça, 999, chercher des indices, je sais pas. Et là, on a reçu Cassez-vous avec un petit truc, un emoji. Là. Jean-Claude, il se casse sans nous! T'as failli te barrer sans nous, Jean-Claude. C'est quoi ça? La suite dans la partie 2. Alors là, c'est la partie 2. Et 999, en fait, c'est... Si tu le mets à l'envers, ça fait 666. 666, c'est le numéro d'un truc hanté. Enfin, et là, après, on met tout à l'envers, ça donne une rue. Voilà, ça donne une rue. Faut savoir lire, parce qu'il y a un Google qui est comme ça. Et du coup, bah, on va se rendre à la rue, c'est la Roche-sur-Yon. C'est très bizarre. Donc, regardez les gars, là, sur le GPS, comme vous le voyez, enfin voilà, et on doit aller tout simplement à la Roche-sur-Yon. Et genre là on s'est arrêté pour mettre le plein parce qu'on a plus de plein. Et la suite dans la partie 3. Alors là on est arrivé au point lieu. Aujourd'hui on va rouler en BM. Voilà c'est comme ça. Le point lieu baisse vers là. Du coup on va y aller et j'espère que la personne qui a donné cette rue sera donc présente. Donc voilà. Ah ça nous amène au port ce rendez-vous. Oh, ça devient trop bizarre ça. Ça devient super bizarre de la mortadellance. Bon, ça fait une visite, mais bon, nous c'est pas ça qu'on veut. Alors là, là-bas, sur notre GPS, on a mis la rue et ça nous amène jusqu'à là-bas, dans une église. Ça devient trop bizarre cette affaire. Bon, la suite dans la partie 4. Les gars, on vient de continuer, il y a la. Promet. On n'y met pas la Roche-sur-Yon là, qu'est-ce que je raconte? Là il y a un casino. Bon, mais non, c'est pas ça qu'on cherche. Hein. Bon alors là on est presque arrivé. On passe par un point, enfin un lieu bizarre, assez bizarre. C'est, ouais. Donc c'est tout là-bas le rendez-vous. Je sais pas si on arrivera à voir. Et on va quand même s'y rendre avec Jean-Claude. Alors là, dans la partie la partie 5, je serai dans au point, au rendez-vous. Bon, alors là, du coup, partie 5, si je me trompe pas, parce que là, on a trop fait de parties et je sais plus du tout. Bon, Jean-Claude, tu sais pas conduire ou quoi? Non, mais eux, là, ils avancent trop vite. Bon, du coup... Non, c'est la partie 6. Non, c'est la partie 5. Du coup, on est bientôt, on va arriver là au rendez-vous. Bah, écoutez, c'est parti et en fait il y a un petit chemin que je vais vous montrer. Voilà, c'est par là, comme ça. C'est comme ça et au bout je devrais descendre et il y aura quelqu'un normalement mais ouais je pense. Du coup on va voir ça et s'il n'y a pas, je contacterai le 666. Ok, là on est arrivé. Donc je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon là je suis au rendez-vous, il n'y a personne. Il y a quelqu'un ou quoi? Bon, vu qu'il n'y a personne dans la partie 6, je vais appeler le 666. Donc soyez présents. Les amis, vous n'allez pas me croire à ce que je vais vous dire. J'ai reçu un message. Voilà, attendez. Je vais aller dans l'application contact. Hop. Attends, c'est où? Attends, je trouve pas. Attendez. Ah, c'est bon. Regardez. Punaise, c'est quoi ça? Regardez, j'ai reçu un truc. Viens au rendez-vous devant chez toi. Attends, quoi? Ah, les amis, je vais aller au rendez-vous, let's go. Dans la prochaine partie, j'y vais. Salut à tous les amis, je m'apprête à aller au rendez-vous. Oh ouais. Y'a quelqu'un ou quoi? Attends, c'est super bizarre. Y'a quelqu'un ou quoi? C'est quoi ce délire? Ouais. Oh!
Quelqu'un ou quoi? Oh, il n'y a personne. Regardez, c'est vide, c'est vide. Il n'y a rien. C'est quoi, Zélie? Oh, oh, oh. Je t'aurai bien un jour.